Sainte Sarah est la vedette des sauveteurs en mer du Gros-du-Roi. En ce moment, le bateau est en repos forcé à Frontignan pour cause de réparations profondes. Vous voyez les turbines qui sont démontées? C'est une propulsion par turbine comme sur les jet skis. Donc c'est très pointu, c'est très particulier comme technique de propulsion. Et ça coûte excessivement cher. Le devis initial se montait à 170 000 euros. En examinant le bateau, les frais ont été revus à la hausse, plus de 250 000 euros. Parce que la vedette de la SNSM arrive à mi-parcours, ces réparations sont nécessaires. Et là, les collectivités locales ne naviguent pas dans la même direction. On a la région qui a immédiatement débloqué une subvention de 42 500 euros, tout de suite, en partant des devis initiaux. Notre siège, à travers les dotations de l'État, va participer également au financement à hauteur de un quart. La station localement, la station du Gros-du-Roi Port-Camargue, financera aussi à hauteur d'un quart. Et on a obtenu une fin de non-recevoir officieuse du département qui, pour l'instant, ne donne aucun signe de vie. En 2019, Sainte Sarah a effectué une centaine de sorties, dont 53 sauvetages. Aujourd'hui, il manque 50 000 euros pour sa remise en état. La SNSM a d'ailleurs lancé un appel aux dons sur sa page Facebook. Avec seulement 20 km de littoral, le département du Gard est finalement un département peu tourné vers la mer. Et pourtant, Port-Camargue est le premier port de plaisance en Europe en termes d'anneaux. Et pourtant, le Gros-du-Roi est le deuxième port de pêche de la Méditerranée.